Ça se voit, t'as la banane. Ah ouais, c'est énorme. Je pensais pas que ça allait être aussi cool que ça. Tout à l'heure, je t'ai dit j'essaye, j'étais en mode, ouais, ça va être un 125 quoi. Et en fait, non. C'est plus que ça. Oh, c'est énorme. Il est jamais trop tard pour faire des trucs en fait. Hein. Peu importe l'âge que vous avez, vous ayez 20, 30, 40, 50, 60 ans. Si vous avez encore des rêves à réaliser, si vous avez des rêves tout court, eh ben allez-y, faites-les. Si vous avez loupé des opportunités par rapport à certains trucs, eh ben c'est pas grave. Recréez de nouvelles opportunités et faites vos trucs. Il y a toujours moyen de faire des trucs, faut juste croire un petit peu à ce qu'on a à l'intérieur de nous, suivre notre cœur, suivre notre instinct, et puis là je pense qu'on est vraiment, enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est une certitude, on est tous capables de faire des choses incroyables. Donc moi je vous encourage vivement à aller réaliser vos putains de rêves et faire vos trucs. Ah oui, est-ce que j'ai envie de devenir pilote pro de moto? Eh ben non, je ne pense pas. Et je ne pense pas que c'était un truc que j'avais en moi depuis le départ. Moi, je suis juste un passionné qui partage sa passion et point barre. Et qui a envie de faire des choses autour de ça, évidemment. Vous êtes encore là, vous? Ouais, c'est... Allez-y, on regarde cette foutue vidéo, bordel. C'est beau, c'est technique, c'est du journey. Pour aller plus vite, hein, franchement. Pour aller plus vite, il exagère. Il est en rodage, c'est ça. Il est en rodage, c'est sûr. Vas-y, fais un petit sourire là pour voir. Ah ouais, là c'est beau là. Là t'as roulé les dents ouvertes, non? Non, merde. La bouche elle est ouverte, je suis en train de baver des fois sous le casque quand j'ai trop chaud. Non. Je crache dans le truc comme ça. Tu vois, j'ai tellement progressé sur YouTube ces derniers temps que j'ai même le service d'un mécano hein, qui me fait chauffer la bécane et tout. 125YZ. Ah, ouais. Il nous a fait craquer ça comme il faut. Hein. Non, on va essayer du coup la 125 d'Alex là. Il y a un peu de pièces dessus. Ça craque. Ouais, ça craque bien. Ouais. Il y a boîte à clapet, machin, la ligne et tout, mais le bloc, il est... Ouais, il est préparé. Ouais. Bon, voilà. Pour faire simple, les suspensions, regarde-moi ça, ces petits... toutes les petites finitions et tout, machin. Regarde ça, comme elle est belle. Mmh. Hein? Ouais, t'es vrai, tu vois. Allez. Tu vas brancher l'ordi et tout, moi aussi. On va l'envoyer dans les airs, la mob. Juste ça, moi, j'aime trop. T'as un petit réservoir carbone, mmh. Hop là. Elle est pas chaude du tout. Hein. Elle est pas chaude. Ah non, vraiment. Non, mais elle va chauffer. Tu vas me la cramer. Ça va, t'es pas trop stressé? Non. Ça fait quoi d'être mécanicien pour un youtubeur? Je me sens fier. Tu te sens fier? Ça fait quelque chose. Hein. T'es fier de ta carrière? Franchement, ouais. D'en arriver là. Ouais. Non, mais après, ça fait du bien. Après Eddie Wade, Johnny Cash. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Après tant d'acharnement, de travail, de nuit passée. De dur labeur. De dur labeur. Pour en arriver là. Et il paye un peu bien, ouais. Il paye, hein. Ouais, il ralasse grave. Hein. Il ralasse. Ah putain. On dit merci qui? En bière. On dit merci qui? Merci Johnny et Michel. Merci Johnny et Michel. Elle est pas chaude. Elle est pas chaude. Mais c'est vrai ou c'est vrai? Ah ouais, elle est froide la salope. Oui. Ça va y aller.
Putain, j'avais pas vu le kick. C'est pour gagner du poids. Non, je vais prendre le bot. Elle est froide. Oui, mec, c'est vrai. Le gars, il l'a fait chauffer pendant 45 minutes, une heure. Trop pour un con. Elle est froide. Mais vu que t'es pas fini, un peu. Mon dieu. Non, je rigole. Si vous cherchez un mécanicien à temps plein, il fait tout. Il aime beaucoup les routières. Tu vois, les 50 à boîte, ça, il adore. Donc, si vous cherchez un mécanicien qui pour des scooters chinois, il kiffe ça. Ah, donc, ouais, il vous fait tout ça. J'adore. Et puis, pas cher en plus. Pas cher, mais gratuit. En fait, c'est moi, je dois payer le mec pour le faire. Ah, oui, voilà. Non, voilà. Mais c'est ça. Mais toi, tu me mets ça entre les mains, mais c'est énorme. Elle est énorme, sa moto, là. Il y a tout qui tombe pile poil. Le guidon, les commandes et tout. Moi, j'adore. Oh, le bruit que ça fait. Bon, on va essayer de faire craquer ça, la jeunesse. C'est peut-être qu'il se fait bien pomper le dard, du coup. Ça le met en forme, hein. C'est sûr. Ça doit être ça. Il va nous donner ses petites techniques pour savoir. Hein, et il a fait un bon bord là. Ouais. Putain, va... il a tellement un flou en deux temps, mec. Ah ouais. Mais ouais. Oh, des putains, j'ai plus de focus. Ah, tu l'entends rigoler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait comme ça. Il est choqué du bolide. Oh la vache! Comment ça chante? Oh, ça a le démon! Ça a le démon, Guy. Ah, fais-nous une symphonie, Johnny! Oh, il est chaud au premier tour, ça va la tête. Il est chaud! Toi, il te faut pas une meuf, il t'en faut deux comme ça. 205 YZ, 4. Et regardez-le, il est tout seul, Johnny. Là, t'as que le bruit du temps, tu sais que là, je suis une sieste là. Ah ouais? Regarde, ferme les yeux. Ah ouais, vas-y, ferme les yeux. Écoute ça. Mec. Les cigales de temps. Oh, oh putain. Les points morts de Johnny. Ouais. Oh, ah ouais. Hey, il est chaud. Il est trop chaud, mec. Bien, on va l'encourager un peu. Il se chauffe, le con. Il se chauffe, mon gars. Eh, hey, tu vas voir, ta moto, c'est bon, tu l'as vendue. Je te l'achète. Ah, tu vois, je t'avais dit. Combien? 6000. Oh non. Je prépare le papier. Wow. Elle flash moins qu'avant. Ouais. Après, elle est plus riche, là, non? Déjà bonjour. Ah ouais. On va commencer par là. Tu vois là, quand elle est comme ça là, ouais. Là faut monter un rapport là. Et là comment ça fait? Bah. Ah ouais. Vas-y avec les jambes et tout. Bah. Ah ouais, ok. Oh,
Oh, il s'est posé le vent là. Allez, c'est chier dessus là. Craque pas fort. Elle craque pas fort la machine. Il a failli se retourner. Il a failli se retourner à la ligne droite. Y'a plus d'essence. Ah, plus de gasoil. T'y crois toi? T'as vu comment il me met en danger? Oh le. J'ai mis la moitié. Et dans la. Et dans le. Dans la pelle là? Si ça fait beau? Mais non. Oh c'est un truc de ouf hein. Elle marche hein. Mais c'est énorme. Ouais. Là quand c'est comme ça, c'est énorme. Ah bah oui. Il m'en faut une. Il t'en faut une? Ah là j'ai qu'écra là. Ah non c'est ouf. Ah non c'est ouf. T'as vu, c'est la première fois que ça m'arrive de faire ça. Bon c'est déjà la première fois que j'essaye une bécane qui craque un peu. Dans le virage, elle a pas fait un retour là. Ouah. Tu sais le bruit là qui. Le pich, ouais. Ah mais c'est parce elle détonne. Oui c'est normal. Eh hey, t'as pas failli te retourner sur la ligne droite? Au dernier là? Ouais. Ah ouais j'étais bon ouais. j'ai vissé, j'étais. Oh j'ai vu, j'ai fait waouh. Ah c'est énorme. C'est agréable. Ah oh, ça met le sourire et tout, c'est énorme. Ah t'es obligé d'en avoir une comme ça. Bah oui. Ça, c'est bonheur hein. Ah oh, c'est fou. Mais y'a plus d'essence, du coup c'est le mécano qui la ramène, non? Ouais. Non je déconne. Quand t'ouvres. Là, j'ai pris le virage en 3, genre devant. Ouais. T'ouvres la patte. Elle le prend, elle le prend. En haut, elle finit pas de grimper, c'est un truc de malade. Lui, il a dit pareil que l'essai. Ouais, c'est abusé. T'as l'impression que t'as jamais de fin de régime. Ah, elle t'accroche là. Mais du coup, Anaïs, elle a celle d'origine, elle. Ouais. Et alors? Ah ouais. Oh bah ouais, c'est une autre moto, c'est plus la même. Ah, elle va trop bien celle-là. Puis je suis trop allé sur ta position là, ton guidon, ton il truc. Est bien. C'est, ça tombe tout nickel. Je pourrais rouler avec comme ça là. Sans déconner. Donc en gros, t'as juste à faire les papiers et tu la charges quoi. Ouais, c'est. Fallait pas plaire. Faut juste se mettre d'accord sur le chèque quoi. Tu dis combien toi? Mais moi je vends. Vas-y, c'est lui, mec, 8000. Non, on va dire 7. Non, 8000. 7. T'es combien il a mis sur le bon coin? Elle est à 11. Ah. On en reparle. Après 8000, on en reparle. Comme ça, je suis coupé. Il va y avoir des jaloux, on coupe. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'était obligé de kiffer. Non, non, elle est vide, hein. Je suis arrivé là, elle faisait pop, 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 pop. Ça se voit, t'as la banane. Ah ouais, c'est énorme. Je pensais pas que ça allait être aussi cool que ça. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'essaye, j'étais en mode, ouais, ça va être un 125, quoi. Et en fait, non. Bah, c'est plus que ça. Oh, c'est énorme. Ça, quand le terrain, il est pâte à modeler, tu sais. Ah bah, ça doit être énorme. Oh. Genre gain, quand il est pâte à modeler. Ah, gain, c'est stylé. Oh, moi, je me régale. T'arrives dans le virage. C'est un petit terrain où il y a des petits sauts, c'est facile et tout. Et la terre, s'il est un peu humide là, elle est. Même là, tu vas dans un dorneau. Pouah. Avec ça. Oh bah. Hop oh, bah. Ah, je pensais pas que ça allait craquer comme ça. Tu vends l'autre camion, t'achètes ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Vu comme ça. Bien, bien, bien. Vas-y, petit beurre, vas-y. Ouais, moi je me suis dit il va nous faire fumer ça là. Je pensais que t'allais nous faire fumer un peu le. Ah c'est vrai que le pneu il est neuf putain. Enfin il a pas beaucoup roulé. On va peut-être pas le niquer tout de suite quand même. On va attendre un peu. Vous entendez ce doux petit bruit? 110 cm3. C'est énorme. Oh j'ai plein de trucs à acheter bordel. Non mais regarde à la vitesse où il va sur lui. C'est pas simple hein, de venir passer un week-end comme ça avec vous là. Hein? Sans déconner. Là t'y as pas cru là. Ah, presque.
On peut dire qu'il l'a fait. Cette agilité. Eh ça. Là tu vois le mec il a eu une enduro il y a pas longtemps. Vas-y, vas-y, vas-y. La vie est belle, allons rouler.